Ce vlog commence super bien, je vais être de super bonne humeur toute la journée. En vrai là ce qui est bien c'est que niveau vidéo je suis bien tu vois, du coup je vais pas être de si mauvaise humeur que ça, mais par contre tout ce qui entoure les vidéos, c'est à dire tout ce qu'il y a dans l'appartement, c'est à dire tout ce qui concerne la vraie vie, là ça va pas du tout. Le sol est très sale, j'ai une machine à étendre, une machine à accrocher, un lit à faire, il faudrait que je nettoie la salle de bain, faut surtout que je passe l'aspirateur, c'est vraiment ça qui est le plus terrible, faut que je fasse des courses parce que je n'ai plus rien à manger. Là ce midi d'ailleurs je sais pas ce que je vais faire, mais je vais faire à manger dans 5 minutes. Du coup voilà où j'en suis dans ma vie là. Aujourd'hui il faut aussi que je fasse le tirage au sort du concours Anna Luisa de mon dernier vlog. Ça ça va être cool, du coup ça va me donner un petit peu de bonne humeur. Et sinon en vrai ça va, je suis pas de si mauvaise humeur que ça. Hier c'était un peu pire, j'avais mal au ventre, c'était horrible. J'ai réussi à dormir en général le premier jour, j'ai du mal, mais là j'ai réussi donc ça va. Ma vidéo pour aujourd'hui est quasiment prête, j'ai plus qu'à l'exporter et à la publier. Donc pour l'instant ça va. Et je sais pas ce qui m'a pris de me mettre dans cette position, parce que c'est vraiment pas du tout confortable et c'est même pas un beau cadre. Du coup je vais arrêter. Grâce à ce super grand angle, vous pouvez voir ma superbe cuisine rouge et blanche. Vraiment je la déteste. La cuisine et la salle de bain et les toilettes, c'est vraiment les pièces que j'aime le moins dans cet appart. Je les trouve vraiment, mais si c'est... Faut tout refaire. Je sais pas, j'aime rien du tout dans cette cuisine à part le fait que ce soit une cuisine et qu'elle soit bien pratique quand même. Mais même les placards, enfin genre ils sont à 3 km de haut, genre les petits boutons là pour les accrocher, faut se mettre sur la pointe des pieds alors qu'ils auraient pu mettre le bouton en bas du placard. C'est voilà, c'était juste un petit début de vlog dans ce beau mardi. Parce qu'aujourd'hui en plus c'est Koh-Lanta, donc ça va être une bonne journée. Surtout si j'arrive à terminer mon travail avant de regarder Koh-Lanta, je vais être bien apaisée. Faut que j'aille faire les courses et quand j'aurai fait les courses déjà je serai un peu plus sereine dans ma tête, parce que ça m'enlèvera un truc à penser. C'est une bonne semaine en vrai, j'ai dit j'étais de mauvaise humeur mais pas du tout. Enfin genre je suis facilement irritable, mais je suis pas encore de mauvaise humeur. Je crois que c'est Hugo qui gagne. Par contre, s'il gagne pas les poteaux, bah il est rose. Laurent il va pas gagner en fait. Et Claude il va choisir Laurent parce que sinon il sait qu'il est mort. Et Hugo il va choisir Laurent. Playlist de Noël. Cette couleur me va pas. J'adore la couleur mais si, ça va pas avec ma tête. Si. Moi je te fais une playlist de Noël. Pour se mettre dans l'ambiance de la journée, pour dire qu'on va passer une trop bonne journée. Waouh, ça c'est la chanson la plus écoutée de mon Spotify. Je l'ai écoutée deux fois. Hey, hey. Du coup j'étais en train de dire quoi? Playlist de Noël. De Noël. Oh. Ah, celle-là j'adore. Ah, celle-là j'adore. Ah, celle-là tu connais. Tu passeras par notre île, pour toi ce sera plus facile. Il n'y a pas de cheminée, tous les jours ici c'est l'été. Ici tous les enfants sont sages. Noël, en rouge flocon. Noël, à la Réunion. Rudolph the Red-Nosed Reindeer. T'as bien? Wake up the happiness. Wake up the happiness. Shake out the happiness. Christmas time. Wake up, wake up the happiness. Come on, yo. It's Christmas time. Ho ho ho. Sees you when you're sleeping. He knows when you're awake. He knows if you be bad or good. So be good, for goodness sake. Ah. Santa's coming to town. Merry Christmas, Mr. Blue Blaze. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh.
is frightful. C'était tout pour ma playlist de Noël. Du coup, qu'est-ce que je... Ah oui, je voulais filmer un truc. Je me retrouve en train de faire à manger. C'est tellement rare que je prenne ma caméra comme ça et que je vous parle en faisant autre chose parce que j'arrive jamais à faire deux trucs en même temps. Emilie, elle disait la même chose dans un de ses vlogs, je me rappelle. J'ai changé de t-shirt, vous le savez pas parce que vous m'avez pas vu avant plus tôt dans la journée, mais j'ai filmé deux vidéos aujourd'hui. Enfin, une et demie. Je vous dis pas encore quelle vidéo j'ai filmé. J'ai filmé une vidéo pour samedi que vous avez déjà vu, donc j'ai filmé ma vidéo lecture. Et en même temps, j'en ai filmé une autre que vous verrez la semaine prochaine et qui, je pense, vous plaira. J'ai trop hâte que vous la voyez. Là, il y a mon riz qui va cramer. Aujourd'hui, le programme, c'est que après manger, je vais faire du montage. Il faut que je termine le montage, enfin, que je commence du coup le montage de la vidéo Read With Me qui va sortir aujourd'hui normalement. Et quand j'aurai terminé, j'aimerais aller faire des courses parce que je n'ai plus rien à manger. Genre, pour que je me retrouve à faire du riz et de la ratatouille en boîte, c'est que vraiment, c'est la dèche. Quand j'aurai terminé mon montage, j'irai faire des courses, déposer les colis à la poste du concours Anna Luisa qui avait eu lieu dans mon dernier vlog, et je parle hyper vite, je sais pas, je suis trop excitée là aujourd'hui, je suis trop contente. J'ai réussi à bien faire ce que j'ai fait ce matin, du coup, bah, c'est cool, et là mon riz crame vraiment. Je suis très contente aussi du retour sur la vidéo d'hier sur mes études, il y a plein de gens qui ont commenté, et je suis désolée encore une fois, j'arrive pas à tenir le rythme des commentaires. Je vais arrêter la cuisson, ça va être chiant pour vous. Hier j'ai aussi fait le tirage au sort du concours sur le livre que j'ai fait rapidement sur Instagram. D'ailleurs, voilà, c'est un truc que je voulais vous dire aussi, maintenant que j'y pense, je vais le dire maintenant. Quand j'ai fait le tirage au sort du concours Anna Luisa, j'étais tellement dead de pas pouvoir faire gagner tout le monde que j'ai enchaîné directement sur un nouveau concours. Sauf que j'ai été vraiment parce que les concours Instagram sur les stories ça dure que 24 heures, et je voulais vous le dire dans le vlog pour que les personnes qui regardent mes vidéos puissent participer, parce que c'est vous que j'ai envie de remercier. Genre, les gens qui me suivent sur Insta, ça me fait plaisir, mais c'est pas, enfin, ça me fait pas le même plaisir que les personnes qui me suivent sur YouTube. Du coup, j'ai fait une petite erreur, du coup j'ai fait gagner qu'une seule personne pour ce concours là mais du coup je voulais vous prévenir, vous qui regardez mes vidéos, que il y aura sûrement d'autres concours avant Noël, des concours pareil pour gagner des livres, et les seules conditions de participation c'est qu'il faudra juste cliquer sur je participe en story et me mettre le livre que vous voudrez gagner dans la story qui suivra. Donc si ça vous intéresse de gagner un petit livre de ma part, je vous encourage à aller suivre mon compte Insta parce que c'est là-bas que je ferai les concours. Je vous ai dit l'autre fois que je ferai plus sur YouTube parce que les commentaires ça me saoule, il y a plein de gens qui peuvent pas commenter, là ça commence à m'énerver vraiment, ça, les problèmes sont revenus là, ça me saoule, donc c'est trop chiant et mon bras tremble et j'ai faim. Ah, j'ai chaud. Aujourd'hui je voulais aller à Bellecour pour faire 2-3 cadeaux de Noël parce que même si j'ai pas grand monde à gâter cette année, j'ai quand même envie de faire des cadeaux de Noël en présentiel, vous n'avez pas de tout commander sur internet. J'aimerais aller à Bellecour, mais genre je m'imagine pas être à Bellecour, tu vois. Genre je m'imagine pas sortir de chez moi, je me visualise pas dans les magasins. Genre si je m'imagine ma journée, genre qu'est-ce qui va se passer dans ma journée, je me dis que je suis vraiment bien dans cette tenue, assise à mon bureau en train de faire du montage. J'ai du mal à me visualiser ailleurs. Du coup je pense que j'irai pas à Bellecour aujourd'hui, mais par contre il faut absolument que j'aille faire les courses. Au début du vlog, je vous disais déjà que j'avais rien à manger, et là c'est de pire en pire. Donc je vais manger vite fait, je l'ai déjà dit à peu près 1000 fois, et je vais vous parler plus tard. I know it's nothing new, but it's so good to see you. We do this every day, and I'm still so amazed by you. Ça fait encore beaucoup de retours comme ça. J'attends que tu sois confortablement installé sur ta chaise. Je sais plus ce que je vous ai dit juste avant, je crois que j'ai pas trop filmé pour ce vlog. J'espère que ça sera quand même un petit peu intéressant. Mais là du coup je voulais vous parler vite fait avant de partir, parce que là je vais rejoindre Emilie, on va aller boire un verre, et ce soir on va manger avec Romain et Alexis. On va manger dans un restaurant réunionnais, d'ailleurs je suis jamais allée, donc j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner. Du coup on va tester ça ce soir, et je voulais avant tout vous montrer ma tenue. Je vais vous montrer un truc. Voilà ma tenue, ok. Et là vous allez vous dire, mais Emma, tu vas sortir avec un collant comme ça aussi transparent? Sauf qu'en fait, ce que vous savez pas, c'est que c'est doublé avec de la polaire. Du coup voilà ma tenue, je vais être en short comme ça avec un petit collant, on dirait que c'est transparent alors qu'en fait c'est de la polaire qu'on voit à travers là. Oh là là, mais je suis trop contente. J'ai testé là en sortant pour voir si j'allais avoir froid. Pour l'instant j'ai pas froid, normalement ça devrait être ok, mais je vais quand même prendre mon grand manteau qui couvre les jambes. Je vais être en collant, genre le truc est carrément transparent, et c'est la première fois de ma vie je crois que je vais mettre un short avec des collants. Voilà, j'aime bien plus ces tailles hautes, comme ça je vais pouvoir mettre mon pull rouge que je mets jamais parce qu'il est trop court, en fait je peux le mettre avec aucun de mes jeans. Et le collant, si jamais ça vous intéresse, je l'ai trouvé sur le compte de Héloïse Delay. J'adore cette meuf, et dès qu'elle parle d'un truc en général j'ai envie de l'acheter parce que je sais pas, je lui fais trop confiance. Et du coup elle a parlé de ses collants, et elle en parle depuis tellement longtemps, genre tout le monde le commande apparemment, c'est le genre le best-seller de tous les trucs dont elle a parlé sur son Insta. Donc je l'ai commandé et je valide à 100%, genre le truc c'est vraiment super doux, je l'ai fait essayer à Romain, c'est vraiment trop doux, même lui il a avoué quoi. C'est sur un site de Nasbrock, mais j'avoue que quand même si c'est sur un site de shit, bah c'est quand même bien. Je vais voir un peu combien ça tient là, c'est la première fois que je le mets, d'ailleurs je l'ai pas lavé, je vous avais dit dans le vlog de mon haul Asos.
que je lavais absolument tous mes vêtements, etc., avant de les mettre, et que sinon c'était horrible, c'était dégueu, ça me dégoûtait et tout. Et là, c'est tellement doux que j'ai pas envie de le laver, j'ai pas envie que ça perde un poil de douceur, tellement c'est un nuage le truc. Voilà, bref, tout ça pour dire que j'ai un super collant que j'ai hâte de tester. Je vais voir s'il va braver le froid, je vous en dirai des nouvelles peut-être. Et du coup, là, je vais partir. J'ai rendez-vous avec Emily du coup à 18h30. Je crois qu'il est même pas 17h. Je vais partir quand même maintenant parce que j'ai 2-3 cadeaux de Noël à faire. Je vous reparlerai dans tous les cas demain pour vous dire au revoir et tout ça, et pour vous parler du resto réunionnais, de si mes collants ont tenu la route. C'est tout ce que j'avais à vous dire pour le moment, et j'espère que je vais réussir à filmer un petit peu dehors, même s'il fait froid et que j'aurai trop peur de sortir mes mains de mes gants. On verra bien. J'ai rêvé d'avoir un chien, donc aujourd'hui je suis triste parce que j'ai pas de chien. Et je suis vraiment triste. Genre j'ai l'impression qu'on m'a volé mon chien. Voilà. Et en plus Romain, quand je me suis réveillée, il était déjà parti s'il avait match aujourd'hui. Du coup aujourd'hui c'est une journée nulle. En plus il fait moche. Et ce matin j'ai filmé une vidéo, mais j'ai pas aimé comment j'ai filmé ma vidéo parce que je fais que me répéter, j'ai pas de vocabulaire et ça m'a saoulé. Donc voilà, aujourd'hui je suis pas contente. En vrai il y a aussi la perspective de Noël qui fait que je suis pas non plus hyper excitée, parce que Noël cette année on va rien faire, enfin on va pas rien faire, on va être tous les deux avec Romain comme on avait fait la première année. Noël vraiment c'est dur d'être loin de sa famille, je trouve vraiment, genre, je sais que vous le savez et je sais que je vous apprends rien en vous disant ça, mais c'est déprimant, surtout quand il fait ce temps là. Genre il fait moche mais il neige pas, ça sert à rien. Aujourd'hui je suis un petit peu tristouine, mais sinon ça va, en vrai c'est... demain ça ira mieux, demain sera lundi, je serai au taquet pour bien continuer à travailler. Ce qui m'inquiète aussi c'est que je vais sûrement pas pouvoir terminer les vlogmas. Je sais pas, je vais tout faire pour que ça arrive pas et pour terminer, mais les vidéos qui arrivent là sont très longues, elles sont très très longues au niveau du montage. Et j'ai une opportunité de travail, un tout petit truc pour Zouit, enfin c'est juste une petite mission comme ça, mais ça va me prendre du temps dans la semaine, du temps que je pourrais pas consacrer à mes vlogmas. Donc c'est très bien, je suis très contente d'avoir ça. Mais en vrai je suis un peu dégueu de pas pouvoir terminer mes vlogmas. Donc je sais plus, je peux pas tout faire de toute façon, donc faut que je me mette ça dans la tête et que je me détende un peu. En vrai je suis trop contente d'avoir tenu tout ce temps, et je vous dis pas du tout que ce sera la dernière vidéo de décembre, hein. C'est pas fini, hein. Mais c'est possible que je loupe une vidéo ou deux, mais c'est tout, après je ferai au max. Mais ça se trouve je vais pas le faire, parce que je vais quand même essayer de faire toutes les vidéos que j'ai prévu de faire, parce que j'ai envie de les faire. Celle que j'ai tournée aujourd'hui elle me paraît bof, en tout cas au moment du tournage j'étais un peu saoulée par moi-même. En tout cas, de toute façon aujourd'hui j'étais saoulée, faudrait que je fasse rien aujourd'hui. Mais je peux pas rien faire de toute façon, donc je vais terminer ce vlog, je vais commencer le montage de la vidéo de demain. J'aimerais essayer de cuisiner un truc parce que j'ai pas encore mangé, il est 14h. J'aimerais faire un petit peu le ménage parce que ça, en vrai ça va, c'est pas si sale, j'ai pu faire du ménage jeudi ou je sais plus quand, j'ai passé l'aspirateur et déjà ça va beaucoup mieux. J'ai fait les courses aussi donc ça va beaucoup mieux. J'ai fait un peu mes cadeaux de Noël donc ça va beaucoup mieux. Il y a plein de choses que j'ai pu faire. Donc, contente. D'ailleurs les restos d'hier je vous en ai pas reparlé, mais c'était bon, c'était pas délicieux genre déjà, puis en plus la quantité de riz par rapport à la quantité de curry qu'on avait, enfin moi j'ai pas pris un curry, j'ai pris un civet, mais c'était pas du tout proportionnel et du coup on a dû redemander du riz comme des gros réunionnais qu'on est. Mais c'était bon, en tout cas ça faisait plaisir d'avoir une petite ambiance tropicale, c'était sympa, et puis surtout ça m'a fait plaisir de revoir Emily et Alexis qu'on n'avait pas vu depuis longtemps, enfin en tout cas ça faisait longtemps qu'on s'est pas retrouvé à 4. Donc voilà, c'était une bonne soirée, en plus on a bu un verre un petit peu avant avec Emily donc on a bien parlé, c'était chouette. Update sur mes collants, tout a très bien tenu, j'ai pas du tout eu froid aux jambes de la soirée alors qu'on s'est pelé le cul en rentrant en trottinette le soir. J'avais froid partout sauf aux jambes, donc c'est une bonne nouvelle. Un truc que vous avez peut-être remarqué dans le cadre, c'est que j'aimerais vous parler de The Midnight Library que j'ai commencé à lire mardi avant Koh Lanta. J'en ai déjà un tout petit peu parlé dans ma vidéo d'hier, mais ce que je peux vous dire c'est que pour l'instant j'adore l'atmosphère, j'aime beaucoup l'ambiance de ce livre. J'ai pas grand chose à ajouter parce que j'ai pas avancé depuis la vidéo de samedi, mais pour ceux qui regardent pas toutes les vidéos, voilà, j'ai commencé à lire The Midnight Library que pour l'instant j'aime beaucoup, ça me déçoit pas du tout, en tout cas pour l'instant. Et j'aimerais aussi vous montrer un truc que je vous ai jamais montré je crois, mais donc je vous en ai déjà parlé mille fois, mais ma soeur collectionne les paquets de cartes et je lui ai fait une commande pour son anniversaire qui était en juillet que j'ai reçu aujourd'hui, enfin hier pardon. Je voudrais vous montrer les paquets de cartes que je lui ai commandé parce que je sais qu'il y a plein de gens qui connaissent pas trop cette collection et à chaque fois les gens sont surpris de voir celle de ma soeur. Avant que ma soeur collectionne les paquets de cartes, je savais pas qu'il en existait des aussi beaux, des aussi différents, je savais pas non plus que ça coûtait si cher, mais du coup je vais vous montrer ceux que j'ai commandé parce qu'ils sont super beaux, en tout cas la plupart. Il y en a qu'elle a choisi donc c'est pas mes préférés, mais ceux que j'ai choisi moi je les adore et j'ai l'impression que c'est un peu notre collection à toutes les deux, genre c'est quasiment moi qui lui offre tous ces paquets de cartes, donc c'est moi qui les choisis, donc c'est un petit peu à moi aussi, non? Anna Blou, si tu regardes cette vidéo, ne regarde pas cette vidéo. Du coup j'ai commandé ça, donc c'est un paquet de cartes, mais c'est un paquet de cartes vide, du coup ça fait la blague et je trouvais que c'était sympa. Ensuite j'ai commandé un paquet Aviator, c'est elle qui me l'a demandé celui-là. Pareil pour celui-là, c'est un Jerry qu'elle m'a demandé aussi. Celui-là c'est un Love Me, elle me l'a demandé aussi. Celui-là c'est un Cherry, elle me l'a demandé aussi. Celui-là aussi c'est elle qui me l'a demandé. En fait elle me les a tous demandés. Non, ceux-là c'est moi qui les ai choisis. Donc ceux que j'ai choisis. Alors je commence par le moins beau. Le moins beau, ouais, le moins waouh, c'est lui, disons. Ensuite, il y a celui-là, c'est un paquet de bicycle aussi, mais il est
de cette forme. J'ai commandé aussi celui-là. En fait, je sais pas si vous les voyez bien, s'il doit y avoir le reflet de la fenêtre. Je suis désolée si vous les avez pas vus les autres. Et bref, du coup, j'ai commandé celui-là que je trouve trop trop mignon. Ensuite, là, c'est mes préférés. Alors, avec ma soeur, on adore se faire des gros doigts, donc je lui ai commandé un gros fuck. Voilà, j'adore ce paquet, je trouve que ça lui ira super bien, elle sera très contente de le recevoir. Et il me semble qu'elle l'avait vu aussi, je sais plus si c'est elle qui l'a choisi ou si c'est moi qui l'ai ajouté de moi-même, mais je crois qu'on l'avait toutes les deux repéré. Bref, celui-là, je l'aime trop. Ensuite, mes deux préférés, je pense que je vais commencer par celui-là parce que c'est celui que je trouve le plus stylé. C'est un composition book. Un composition book, c'est les cahiers qui sont utilisés par tous les élèves aux États-Unis et je trouve que c'est une forme marrante. Enfin voilà, j'adore ce paquet de cartes, c'est un de mes préférés. Et le plus beau, vraiment le plus beau de tous, même moi j'ai envie de me le commander pour moi-même, c'est celui-là. Je le trouve mais magnifique, il est trop beau, j'adore le style des illustrations. J'aimerais trop voir l'intérieur mais je vais jamais ouvrir les paquets de cartes parce que sinon je me fais tuer je pense. Voilà la petite commande de cartes que j'ai passée pour ma soeur pour son anniversaire qui était en juillet. Si jamais ça vous intéresse, je commande des paquets de cartes sur Magic Dream, c'est un site qui est spécialisé dans les accessoires de magie. J'adore ce site, il y a plein de magnifiques paquets que j'ai envie de me commander pour moi souvent parce que vraiment je trouve ça trop trop beau et je trouve que sa collection est trop trop cool. Voilà, c'est juste un petit truc que je voulais vous montrer parce que ça m'a fait trop plaisir de le recevoir hier en rentrant du resto. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Est-ce que vous avez bien aimé ma playlist? J'avais juste mis la caméra pour nous pour qu'on se mette un peu dans l'ambiance et pour garder en souvenir, mais je trouve que c'est marrant les passages, donc je l'ai laissé au montage. Je sais pas si c'était cringe, j'espère que c'était pas cringe, hein, mais voilà, moi j'aime bien aimer quand je le regarderai, ça me fera plaisir. On a vu Koh-Lanta. Vous avez vu Koh-Lanta? Nous on a regardé Koh-Lanta, on était vraiment d'elle. Pas d'elle de la fin, pas d'elle de ce qui s'est passé avec l'histoire de la triche et tout ça. Bon ok, encore le prime, bon on s'était un peu long sur la fin, on se doutait un peu de l'issue du truc, mais ça va. Par contre, moi j'étais trop d'elle de l'épreuve des poteaux. J'ose pas en parler parce que je me dis qu'il y a peut-être des gens qui l'ont pas encore vu, donc j'ai pas envie de le dire, mais vraiment on était dégoûtés. J'aimerais bien terminer de monter cette vidéo, la poster, enchaîner sur le montage de la prochaine, comme ça j'ai un peu d'avance et ça va me faire respirer un peu et arrêter d'être sur un flux tendu là tout le temps, parce que là ces derniers jours j'étais en flux tendu. En vrai ce qui m'a fatigué là cette semaine, c'est que j'ai filmé une vidéo en deux parties, enfin c'est à dire que j'ai filmé une vidéo, donc celle que vous avez vue samedi, et une autre qui va sortir la semaine prochaine mais en même temps. Ça m'a fatigué et rien que d'imaginer le montage qui m'attend pour cette vidéo, Oh là là, j'ai peur. Donc je vais fermer ma grande bouche et je vais m'y mettre parce qu'il faut que je continue d'avancer. Là c'est plus je parle plus j'ai du montage, donc c'est vraiment pas productif ce que je fais. Vous devoir pour cette vidéo c'est de me dire quelles sont les musiques de Noël que vous préférez écouter à cette période là. Donc les musiques soit originales soit les reprises. Moi j'écoute beaucoup de reprises en vrai. Je vous mettrai le lien de mon Spotify en barre d'infos pour que vous puissiez avoir toutes les musiques que je vous ai fait écouter dans la vidéo. Je crois que j'avais fait une playlist l'année dernière, une playlist Spotify. D'ailleurs j'utilise pas Spotify au fait, c'est pour ça que quand je dis waouh la chanson que j'ai le plus écoutée cette année, je l'ai écoutée deux fois, c'est parce que j'utilise pas Spotify en fait, parce que j'utilise que Deezer. Et du coup quand j'y vais c'est juste pour chercher des musiques pour mes vidéos. Voilà, c'est pour ça, je préférais éclaircir un peu parce que je trouvais que c'était pas très clair dans le storytelling de ma vidéo là. Donc voilà, ça sera en barre d'infos. Et à part ça sinon comme devoir, bah pas grand chose. Aujourd'hui je vous donne pas trop de devoirs. Et encore une fois, enfin je crois que j'ai déjà dit plus tôt, mais je suis vraiment désolée de pas pouvoir répondre à tous les commentaires là ces derniers jours. Mais je vais répondre à tout le monde, ça c'est sûr et certain, vous inquiétez pas. Je les lis tous, dès qu'ils arrivent je les lis tous directement. C'est juste que j'ai pas toujours le temps d'y répondre parce qu'ils sont vraiment très longs pour la plupart. Et j'ai envie de prendre le temps d'y répondre calmement et de vous donner une réponse satisfaisante par rapport aux commentaires que vous m'avez envoyé quoi. En tout cas voilà, je suis vraiment désolée mais vous inquiétez pas, je répondrai à tout le monde. Et sur ce je vais fermer ma grande bouche. Aujourd'hui je vais faire un concours, tiens. Voilà, on est dimanche, j'essaye de faire un concours ce soir sur Instagram, donc comme ça vous êtes au courant. Et encore une fois je suis désolée pour les personnes qui étaient pas au courant, j'avais fait un concours plus tôt dans la semaine mais j'aurais dû le dire avant, enfin bref, voilà, je me suis mal organisée dans mon truc. Je me tais pour de vrai et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo qui j'espère sera bien malgré le tournage bof. Bisous.